Bonjour les amis, de retour sur Cyberpunk. Donc c'est juste pour vous dire que la fin a été postée donc de ma vidéo de cette mission, mais la première n'a pas voulu se poster. Donc je suis retourné en arrière pour pouvoir la faire tranquillement les amis, pour que vous voyez au moins tout le début de l'histoire. Allez, je vous laisse, bon visionnage. V? En personne. Toi Ted? Appelle-moi Teddy. Monte, je vais te briefer. Ok Teddy, alors qu'est-ce qu'on a? Tu vois le garage à gauche? Il appartient à Kandashi. D'après nos sources, il contient des marchandises un peu spéciales. Spéciales? Pour le gang des Silk Street. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas rentrer dans le garage et placer ce mouchard sous le camion. Faut juste que t'évites les caméras de surveillance. Fastoche. Tu vas donner un sacré coup de pouce à ma carrière, V. Messager de la vérité. Ok, Teddy. On se met au boulot. Ok, tu fais ton truc. Allez, c'est parti. Et surtout, tu te fais pas voir par les caméras. C'est moi la figure publique, pas toi. On reste en contact. Ok. Allez, c'est parti, tranquillou. Donc là, vous arrivez là, vous montez sur les bidons, vous montez là-dessus, vous montez là, vous mettez en mode accroupi. Ensuite, vous scannez avec L2, vous prenez contrôle de la caméra. Donc la caméra, vous avez pris le contrôle. Ensuite, vous sautez là. Vous mettez accroupi et vous passez en mode ninja discrètement. Faites attention, hein. À la deuxième caméra qui est dans l'angle là. Vous voyez, vous prenez le contrôle de la caméra. Hop, j'ai le contrôle de la caméra, comme ça. Je peux passer discrètement. Sans faire de bruit. Vous voici là. Toujours accroupi, hein. Vous ouvrez la porte gentiment. Vous dirigez tranquillement vers le gars là-bas. Toujours en mode fufu. Qui vous voit pas. Vous mettez derrière lui. Vous le prenez. Voilà, là j'ai neutralisé. Donc il fait dodo. Vous lui faites les poches. Ensuite vous pouvez fouiller là hein, si vous voulez. Hein. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire un petit tour sur la caméra là. Activer, désactiver. Là, vous voyez, hein. Là, vous êtes tranquille. Hein. Ouais. Ici, vous avez donc les petits messages. Là, vous n'êtes pas obligé de les lire hein, si vous voulez pas les lire. Voilà. Ensuite, c'est fini. Vous portez. Vous récupérez la petite donnée. Faites la petite flèche, vous lisez les données tranquillement, voilà. Ensuite, vous mettez un peu accroupi pour voir ce qui reste. Et qu'il y en a un ici, lui on va vous le laisser tranquille. Si vous récupérez l'espèce de seringue là, dans le coffre, vous voyez, il y a 1$. Vous récupérez les 1$. Donc, ensuite, vous ouvrez la porte là tranquillement. Discrètement, vous faites attention. Hein. Donc vous avancez, vous regardez, toujours en mode furtif et discret. Là, vous pouvez voir que vous pouvez piquer ce qu'il y a là. Voilà. Ensuite, vous avez ici,
vous prenez. Faites un petit coup de scan. Je vais voir que là-bas il y a le gars. Donc je vais pas passer par là. Je vais donc faire comme ceci, discrètement. Faites attention qu'il vous voie pas. Vous baissez tranquillement. Bon, regardez surtout comment il est positionné. Ah, vous arrivez derrière elle. Tranquillement. Vous la prenez. Vous la neutralisez. Voilà. Maintenant. Vous fouillez sur elle. Et si vous avez des munitions, vous prenez. Attends, vous repassez là discrètement pour aller chercher ce qui vous reste. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le matos hein, si vous n'avez pas envie. Hein. Vous pouvez aller directement près du véhicule. Moi j'aime bien passer tout le temps à rechercher un petit peu les matériels et tout qui traînent. Vous prenez. Donc voilà, petite lecture. Hein. Vous lisez la lecture tranquillou, voilà. Vous prenez le manteau, qui est pas mal. Voilà, petite lecture, vous continuez à lire la lecture. Voilà, vous arrivez près du véhicule. Vous placez donc le mouchoir. Là, le mouchoir est passé. Voilà, donc vous repassez comme ici, vous reprenez l'escalier tranquillement, vous ouvrez la porte, vous sortez. Là, bon, c'est des toilettes, hein. Et bon, si vous voulez, ça au moins, il y a une trousse de secours. Vous sortez discrètement, toujours pareil, sans faire de bruit. Vous ouvrez, vous passez là, hop. Après, vous montez là, vous jetez là, essayez de vous jeter là-haut, ah ça marche pas, dommage, raté. Donc là, l'option ça ne marche pas, vous faites option 2, vous venez là discrètement, tranquillement, vous passez derrière le mec, vous le prenez, vous le neutralisez. Après vous faites attention de pas vous... Faites attention de pas vous faire repérer. Rendez-vous tout de suite. Bon là, malheureusement, je me suis fait repérer. Vous le neutralisez discrètement. Alors petit, j'abandonne, je suis nul au cache-cache. Voilà. Vous prenez ça sur les gars, piquez le pognon, vous prenez le petit dossier qui est ici. Où est-ce que tu te caches, mon chou? Vous faites ça, vous passez là, voilà, ensuite vous sautez, vous répondez au téléphone. Ted a toutes les infos compromettantes qu'il voulait sur Kandashi. Mais par contre, je te mets que 10 sur 20 parce qu'il y a un manque d'application. Je clôture le contrat, mais je le fais sans aucun plaisir.
Donc voilà. Quand je me suis fait repérer, c'est pour ça que le contrat s'est mal passé. Donc voilà. C'est comme si vous faites la mission, les amis. Bah, si j'ai pu vous aider à passer ce petit niveau, bah, je suis content. Et si vous aimez mes vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt. Tchuss.